Allez, zou. Putain. Bili bili boum. Alors que ça mâche les boutons pour les transitions. Saut, j'ai dit. De con. L'enfoiré. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais il veut pas bouger. Il veut. Allez, j'appuie sur sauter, hein, je vous promets. Ouais, je sais, mais je vais pas mettre. J'ai pas dit que j'allais mettre 7000 euros dans un pied de micro. Hein. J'ai dit que j'en voulais un bien, c'est tout. Comment ça va, Dieu? Ah merde, j'en ai mis 3, mais quel con! Je peux pas compter jusqu'à 2, non? Pilabidou. J'ai une journée assez difficile là, au bureau. Ah mais qu'est-ce que je fabrique, bordel. Ah j'y arrive pas du tout. J'arrête pas de me le prendre, j'y arrive vraiment pas, c'est très chiant, cette salle pue du cul. C'est de la merde. J'oublie à chaque fois que j'ai cette salle entre les deux, c'est chiant. Alors que salut Tifa, comment ça va? Je te déteste. J'aime bien quand vous faites mentir CDV sur les temps de race, parce que vous avez tous fait sub. Enfin, il y a eu plein de subs 5 minutes alors qu'il dit que ce serait super dur. Ah, t'as fait un pibi sur Spelunky, tu fais? J'ai regardé un peu ce que tu faisais, mais. Tu t'es vite mis offline, j'ai eu l'impression. Power grip, putain. Il est long ce split jusqu'au power grip.
Mais je déteste ça, putain. Au moins, c'est mieux de plonger dans la lave que de... Allez, putain, 5,47 ici, c'est vraiment mauvais. Hein. Il me faudrait un split ici, d'ailleurs. Après tout. Cutscene de... Ouais, là j'ai vraiment du retard. Là. C'est Lindy Evan. Non, non, le mec c'est très bien. Je suis pas trop, d'humeur. J'ai pas forcément envie de discuter de catégories et de trucs comme ça aujourd'hui, mais comme on l'a fait hier, voilà. Je pense que les gens, il y a des avis très partagés et je pense que c'est une. Voilà, j'ai dit j'en parlerai pas, du coup je vais en parler. Je pense que c'est une bonne idée de le laisser. Ah voilà, je vais pas vous parler de ce que vous voulez évidemment, mais je vais pas forcément refaire une discussion de catégorie et tout. Je suis assez fatigué aujourd'hui. Et je sens que je vais déjà faire n'importe quoi sur, sur Metroid et que ça va me faire chier. Alors. Voilà. Ok, il suffit de mâcher un peu plus lentement. Salut Biron Monde 2, comment ça? Tu blagues, pas de déma? Ouais, mais du coup. Je suis assez. Peu culture même, culture blague répétée, tout ça. Enfin, j'aime bien le comique de répétition, mais la culture internet qui se base uniquement sa culture sur des répétitions, je trouve ça assez curieux. Bah non, en gros, on fait le mec parce que comme ça, il y a une vraie fin au run et puis c'est plus rigolo visuellement, quoi. Ah, mais voilà. On va se concentrer sur les wall jump. Quand ça, mais on monte de à part ça. Tant pis, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé, Indie Evan, mais j'avoue que là, ce soir, ça va être tranquillement on fait des runs. Ah, nice. Yeah, j'ai vu, t'as fait un 23 minutes, un truc comme ça. C'est classe. T'as passé combien de temps sur le jeu, tu penses? Ah, je déteste ce mec, je m'en fous, je passe comme ça. On passe par-dessous. D'ailleurs, je suis désolé si mon humeur ou ma fatigue se ressent dans le stream, hein, mais c'est vrai que j'avais envie de jouer quand même avec, avec vous. Du coup, quand je joue, j'aime bien streamer, mais c'est vrai que potentiellement, ça fout une mauvaise ambiance. T'es à combien de points sur Deadcore, Cladam? Je me rappelle pas. Eh, salut Senzo, comment ça va?
Ah merde, j'ai oublié de splitter, tant pis. T'as 25 heures sur Steam et t'avais fait le jeu en casu avant le début du 4 ans. Ok. En vrai, si tu sors de 27-29. Et c'est si mauvais que ça. Je vous déteste, putain. Mais si, pourtant, je me suis... Ah merde, je sais pas ce que je fais là. Je peux pas le tuer avec ça, lui. Ok. Je vais mourir, ça va être fantastique. Ah, je suis vraiment pas doué aujourd'hui. Quand tu fais que des backup strats à un moment, bah oui, c'est sûr. Merci, Nivon. Désolé pour la réaction. Désolé. Je voulais pas que tu le prennes mal. Ah, nice, sans toucher. Je vais sans doute mourir. C'est pas grave. Salut Elcusto, comment ça va? Tu arrives en plein milieu d'un run un peu désastreux. Malgré un combat contre la chenille plutôt pas mal. Allez. Donc on va rien dans la zone de Ridley et j'ai très peu de vie. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça j'y arrive plus en ce moment là, ça c'est dur. Hein. Tout est un peu dur aujourd'hui, de toute façon j'ai l'impression. Pour l'instant c'est pas choquant. Non, je pense pas que je serais mauvais au point d'être choquant, à part ça, ça c'était pas top. Mais néanmoins... Enfin j'espère que je serais pas mauvais au point d'être choquant. Ah, cassez-vous. Ah, évidemment, eux, ils sautent. Mais non, il faut pas reset quand tu foires le verre. Tu continues et tu le retues au moment où tu le re-rencontres. Y a pas de problème quand tu foires le verre. Avec la dalle, il faut apprendre les backup strats. Tu le tues juste après la hive room, en fait, si tu le... Ah, fais chier. Salut Soy, comment ça va? Putain, 14-22 ici, mais qu'est-ce que c'est? On tombe dans le néant de la connerie. T'avais un souci de missile? Ah, putain! Alors je suis déjà mort là, hein. C'est possible de mourir là, pour tous les curieux. Tu as une question, vas-y. C'est parti. Est-ce qu'on peut enlever le mec?
Cette question serait malvenue. Piu piu piu. La question, les seuils, c'est fatant, le suspense est à son comble. Est-ce qu'on peut enlever Spelunky? Salut Guillaume, comment ça va? De toute façon, Guillaume, tu fais pas... Tu fais même pas les runs avec nous. On est triste. Du coup, il y a la race du 28 novembre et celle du 6 février. Tout à fait. Est-ce qu'on peut ajouter Dark Souls? Oui. Mais il n'y aura pas de cours sur les 10 jeux d'un coup, uniquement pour les finalistes. Putain, j'ai failli mourir. C'est 2 fois 5 jeux. Ensuite, on pourra organiser des cours sur les 10 jeux à la suite, si vous voulez. Mais il y aura une finale sur les 10 jeux. Il y aura peut-être une finale online sur les 10 jeux, mais a priori, c'est pas prévu. Pour l'instant, il n'y aura qu'une course sur 2 fois 5 jeux. Bah en fait, Prosper, il s'organise pas du fonctionnement de l'événement. Prosper, il fait de la com et de la réalisation. Du coup, voilà, c'est vrai que dans les arcanes secrètes... Non mais oui, mais par contre, c'est vrai, ça, hein. En fait, on a fait ce choix-là par design. Bah en fait, ça va être un problème. Effectivement, c'est logique de faire les 10. Mais l'idée de faire 5 par 5, c'est justement que les gens qui n'ont pas le temps ou qui veulent pas, et pas à s'entraîner sur les 10 en même temps. Par contre, la finale sera sur les 10. Du coup, si, parce que ça serait hyper discriminant de faire ça sur les 5 en même temps. Du coup, c'est voilà, c'est ma réponse pour l'instant, mais cette réponse peut changer. Bah, c'est plutôt 2 pentathlons qu'un décathlon, je suis d'accord avec toi. Mais sachant qu'à la fin, la finale sera quand même sur les 10 à la fois. Mais voilà, on essayait de rendre le truc accessible en faisant ça de cette manière-là. En tout cas, pour cette saison, ça va être comme ça. Et ensuite, peut-être que la saison suivante sera adaptée en fonction des plaintes et des motivations des gens. Allez, on y va. Mais ensuite, pendant le deuxième épisode, il y aura des races organisées qui comprendront des jeux du premier épisode. Hein. Donc, si vous voulez participer... Ah, merde. Comment ça va, Millet? Mais la gimmick reste d'apprendre 10 jeux. Hein. Ah, putain. Lunarium, comment ça va? Oh, ça tourne, 2000. Bien passé, ça. Hey, salut, petit Neko, comment ça va? Ah, t'as trouvé un truc pour la WS, GG. Raconte-nous. Parce que moi, je perds quand même plus d'une minute dans mon PB à cause de la WS, donc... Est-ce que quelqu'un sait comment assigner 2 boutons à une manette? Comment ça? Oh putain.
Ah non, mais t'as pas le droit d'assigner deux boutons, deux touches. T'as pas le droit d'assigner deux touches à une manette, ça par contre c'est interdit. Deux touches, enfin faire une macro c'est vraiment interdit. Si tu veux assigner deux touches, deux actions différentes à un seul bouton, c'est interdit. C'est ce qu'on s'appelle une macro et ce n'est pas autorisé. Autant faire un script. Autant faire un TAS directement et le mettre sur une macro, pourquoi pas, après tout. Au point où on en est, voilà. Une macro, c'est quoi ça? Deux boutons pour une action, bah ça se fait très bien avec le avec l'émulateur, ça. Si ça te fait marrer, ensuite c'est voilà. Deux boutons pour une action, pour la même action, ça se fait avec l'émulateur directement. Hein. T'as même pas besoin de te faire chier. Là. Oh non, mais putain! Tu veux bouton B égale stick haut? Bah voilà, c'est. Libre à toi de penser ce que tu veux de ce genre de practice. Moi ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que moi je joue avec les configurations émulateur. Parce que je trouve ça mieux. Je trouve ça un peu clampin si un jour un gamin arrive avec sa console et il te fait hey, regarde, j'ai Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance. Et tu lui fais je suis trop fort à ce jeu. Ouais, enfin, sauf que je peux pas jouer avec ta console, mais je suis trop fort à ce jeu. Du coup, voilà. Bah ouais, je sais que ça passe à 100%, mais je m'en fous. Ça me plaît pas de jouer comme ça. Ensuite moi, enfin, encore une fois, je m'en fous, c'est personnel comme vision, et je me fous de si vous faites ça, je considère pas que c'est contre les règles ou quoi, hein, donc encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, c'est pas un argument, en fait, c'est pas un argument que ça facilite, je suis pas, moi, je cherche pas la facilité, je m'en fous, personnellement, voilà, mais me dire c'est plus facile, c'est pas un argument. Me trouver un setup, c'est un argument. Mais me dire, ouais, telle méthode est plus facile, je vois pas l'intérêt. Si vous voulez plus facile, bah autant pas faire de speedrun aussi, tu vois. Parce que ça marche, c'est plus facile de pas du tout faire de speedrun. Non, par contre, je suis sûr que Bizoc permet de faire deux boutons pour la même action, ça c'est sûr. Oh la vache. C'est plus facile avec une manette de Xbox One, mais ça par contre, je suis bien d'accord. Ah, j'ai pas de missile. Ok, j'ai réussi à me planter sur Cred. Comment j'ai fait? Personne ne le sait. Putain, vous êtes sérieux? Comment j'ai fait pour me planter sur Cred? Je sais pas me battre Cred normalement, moi. Par contre, là, il faut vraiment que je m'arrête. Hein. Il faut que j'aille refaire autre chose. C'est la première fois que je me plante sur Cred comme ça. C'est toujours pas fini. Putain. Comment ça va, Sinem? Tu as vu la plus longue bataille contre Cred, possible avec, sur cette route de speedrun? Mais ça fait chier parce que si je suis 40 secondes derrière et qu'en plus je réussis pas la WS. Moi c'est la première fois que ça m'arrive comme ça là. J'avais mes super et tout, mais j'ai réussi à tous les rater, j'étais trop fébrile. Mais limite du coup j'ai pas envie de faire de dead core et j'ai juste envie de faire de ça. Hein, mais bon. Pipiou. Mmh.
Mais putain! Merci. Remarque là, techniquement, je dois pouvoir gagner du temps. Dieu que c'est dur aujourd'hui. Ah oui, je me rappelle d'une fois où j'ai oublié de me recharger en allant à Tourian. C'était bien. Allez. Putain, t'es sérieux. Mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu me fais? Par où je vais, là? Par où je vais? Je comprends rien à ce que je fais. Ah, c'est dur aujourd'hui, hein. La vache. Une fatiguée et fatiguée. Et fatigant aussi. Je me suis couché tard et je me suis levé tôt. Et oui, très bien. Allez. Fatigué. Fatigué. Vous voulez que je vous fasse le remake de Libérer, délivrer, mais avec des paroles débiles? Parce que je peux. Mais je ne le ferai pas. Ah, je vais faire un temps minable là. Non, c'est pas grave. Oh oui. Putain. Super ça. Ah, je déteste quand ce mec me projette là. Ah, mais très bien ça. Bravo, merci. Ça c'est bien. Merci pour les drops. Allez, 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 on y va. Bon, donne-moi ça. Non, ok. Ok, de l'argent. Salut Sydney. Comment ça va? Bon là les drops étaient assez divins. Hein. Apparemment tu galères, bah ouais je suis bien en retard là, c'est très chiant. Allez, on farm.
Ah putain, je galère, j'arrive à rater ces trucs là quoi. Allez, donnez-moi. Donnez-moi un super et j'y vais. Un super et j'y vais. Donnez-moi un super et j'y vais. Non, toujours pas de super. Non. Voilà. On y va. Casse-toi, putain. Oh, je suis dans la lave jusqu'à l'infini, là. Non, j'ai dit vers le haut, bordel! Ah, je suis dégoûté! Ah, j'arrive au bon endroit! Et ce putain de jeu décide que non! Ah, je suis pas content! C'était bon endroit! Ah, pas content là! Ouais, c'est pas grave! Ah, c'est de la merde, putain. Oh, techniquement, je peux encore pibi, mais c'est un très mauvais pibi, si c'est le cas. Boum. Ce qui est bien, c'est avec la fin de Super Metroid, la planète, elle est complètement détruite. Parce que là, j'avoue qu'il en reste un petit bout et tout. Mais... Le boss, il a... 20 plus 35, il a 55 missiles HP. Un missile, ça fait quoi, 20 dégâts, je crois. Ça fait beaucoup de dégâts. Il a 1100 HP. Quand Cred en a... 30. Non, 300. Pardon. 3 super, 300. Plus les ébétails avant quoi. Allez. J'ai dit saute, mais putain ces inputs. C'est Grognox, comment ça va? C'est le Prosper. Ah putain, ouais, je sais pas pourquoi on joue pas. Ça serait rigolo de jouer à un Metroid, remarque. Donc là, les gens voient l'œil de Mecha Ridley. C'est peut-être l'œil de Mecha Ridley. Moi, je vois juste le système d'alarme. Ça va. Je galère fortement, mais ça va. Ah, attention, on se heal. Pas d'erreur là-dessus. Avec un peu de chance, Non, j'ai dit oui. Mais non,
The Urbine, c'est pas dur. Piu piu piu. Ah, j'adore me faire niquer comme ça par ce mec là. Allez. Bon, très bien. Ah merde, je pouvais tirer là-dessus, c'est pas grave. J'avais une petite mèche du bot dès que je m'attaque à Twitter, cool. On continue tranquillement le petit passage secret. J'ai pas réussi à tirer en l'air. Ah, c'est difficile aujourd'hui, Metroid la vache. Difficile, difficile. Y a moyen de pas s'accrocher ici, mais c'est un peu dur. Allez, on y va. Eh, c'est Good for Good, comment ça va? Allez, on se re-heal puisqu'on est mauvais. Ah, ce speedrun de l'angoisse, quoi. La salle préférée de Gonzo. On y va. Une speedrun dans les travaux. Mais bon courage à toi, moi ça va. Hein. Un peu fatigué aujourd'hui. Mais bon. Tout va bien. En vrai. Qu'est-ce que je fais? Putain. Allez! Eh ben. Bien, pour une fois on s'est pas fait massacrer. Ah, félicitations. Désolé, petit Neko. Attention, salle de merde incoming. On attend, on tire. Je vous ai pas fait les Metroid Prime, c'est pas des jeux qui m'attirent. Par contre, j'aime bien regarder les speedruns, c'est cool. Allez. Pipi-piu.
4,55, ouais. Avec un peu de chance, peut-être après taper un peu de retard. Hein. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vais mourir contre mes carrés de lait, faut pas vous attacher. Hein. Et après, on fait du deadcore. Après la mort sur mes carrés de lait. Pi-pam, pi-pa-pou-pi-dou-pi-pou, pi-pa. Boum. Allez. Oh là là, quel défaitisme. C'est vrai. Ah putain, j'ai raté. Comment j'ai pu rater? Ah ouf, putain. Heureusement que c'est jeté dedans. Merde! Ah, ça l'a pas touché. Je déteste Charlie. Allez, hop. Ah, on gagne du temps. Allez, avec un peu de chance, on peut gold splitter et faire un PB là. Ça va être compliqué quand même. À chaque fois j'oublie ce truc là. Ah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On va là. Pila piloum. Allez. Go. Pilapilum, pipum, pilapilum. Putain, c'est nouveau qu'il fasse ça à lui. Je m'en fous de la sauvegarde. Thank you.
Jusque là ça se passe très bien. Là, Yannestor qui nous attend. Salut Zébu, comment ça va? Attention à ça. Re-attention à ça. Ok. Tapis. Je déteste ce... Space jump à la con. Bah alors c'était bien ça. Allez, on y va. Ça a rarement été aussi bien ici, mais encore une fois, on peut mourir sans Mika Redley. Ah, GG Zébu, c'est bien. C'est ça qu'on veut entendre. Allez, allez Mika Ridley, bouffe. Cassez-vous! Putain. Go! Salut Gonzo, t'arrives à un moment totalement épique.
Du Shine Spark réussi. Allez, dépêche-toi. Ah, regardez la propreté de ce split, putain. Allez. Putain, c'est dégoûtant. Je gagne une minute, c'est la première fois que je fais split presque correctement, quoi. Ah, ça fait plaisir, quoi. Mais qu'est-ce que c'est un... Je vois comment trigger les... Ah, putain. Bah, désolé, c'était vraiment un run tout pourri. On va regarder ce que ça donne in game time, mais c'était pas top du tout. Sachant que mon meilleur temps, c'est 37-31. Ça m'étonnerait que ça soit ça. Allez, dépêche-toi. Si t'as un peu de temps, check ton Skype, monsieur Twin. Bah, je vais checker mon Skype maintenant. Ah, ah, très bien. Très bien. Très bien. On verra ça après. Putain, 37-57. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Hein. Regardez ce PB moisi. Avec un AWS foiré, c'était vraiment du caca. Je peux être là, je pense que je peux être à Ridley. Je peux vraiment être... Regardez, on va comparer avec ma soeur, mes best segments.